Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans Version Française, niché au cœur d'un hôtel particulier, le musée Marmottan accueille en son sein des trésors de l'impressionnisme. Solène Éloi habille les murs et les plafonds de ses œuvres oniriques. Amoureuse de l'or et de la légèreté, elle nous emmène dans son monde. La fameuse maison au triangle isocèle nous parle aujourd'hui de sensualité et de romantisme. Zoom sur Prada. Lumière à tous les étages avec Alexis Dandris. Entre artiste, artisan et chimiste, il nous en dit plus sur son savoir-faire de néoniste. Mais avant de retrouver Solène Éloi, peintre fresquiste, tout de suite, point de vue. Voici Love de l'artiste italien Maurizio Cattelan. Alors oui, quand on la voit, le message d'amour ne nous saute pas forcément aux yeux. Mais pour lui, Love est la traduction italienne de l'acronyme signifiant liberté, haine, vendetta et éternité. Et là, on y voit déjà un peu plus clair. C'est en 2010 qu'il installa cette sculpture monumentale en marbre de Carrare devant la Bourse de Milan. C'est donc bien un doigt d'honneur de 6 tonnes qui trône en face du bâtiment. Un sacré message. Reims, il est une table doublement étoilée qu'il est difficile de ne pas remarquer. C'est celle du chef japonais Kazuyuki Tanaka. Ce livre illustré des élégantes photographies de Richard Hogton et des textes de Shihiro Mazui met en avant plus de 80 recettes originales et techniques du chef. Classés par saisonnalité, les plats vous invitent à un voyage entre le Japon et la Champagne-Ardenne. Et s'il n'y a pas encore de vol direct, voici un ouvrage qui vous fera patienter d'ici là. Désormais vendue sous le nom de vase Alto, cette pièce emblématique du design tire son nom du restaurant Savoie, très à la mode à Helsinki, où il occupait une place de choix dans la décoration du lieu. Si, grâce à lui, Alvar Aalto gagna le prix du concours organisé par la verrerie L'Itala, c'est notamment sa présentation à l'Exposition universelle de Paris en 1937 qui lança sa carrière fulgurante. Ses courbes transparentes furent depuis déclinées en de nombreux coloris. Un objet design qui laisse toujours aussi rêveur. Le musée Marmottan rend hommage au courant impressionniste. On y retrouve les incontournables nymphéas de Monet, mais aussi bien d'autres pépites. Lorsqu'on visite le musée Marmottan-Monet à Paris, on rentre dans la demeure des impressionnistes. On est au contact de cette intimité qui est à nul autre pareil. Ce pavillon niché dans le 16e arrondissement abrite en effet la plus grande collection d'œuvres de Claude Monet, le chef de file des impressionnistes, et les tableaux d'autres grands noms du mouvement. Pourtant, cette demeure n'y était pas du tout destinée. Le fondateur de l'établissement s'appelle Paul Marmottan. Féru d'art et grand collectionneur de l'époque Empire, il lègue sa demeure et les œuvres qu'il y a rassemblées à l'Académie des Beaux-Arts, qui en hérite en 1932. Le musée ouvre en 1934, hein, 2 ans après sa mort, et il devient, j'allais dire par un coup de poker, un coup de magie, un lieu de l'impressionnisme. Il passe de l'Empire, de ce décor extrêmement fastueux, à celui de la modernité, dans une certaine mesure. Ce sont les enfants et les amis des impressionnistes qui vont provoquer ce virage en léguant leurs œuvres au musée. À commencer par le tableau qui donne son nom au mouvement. Impression Soleil Levant, peint par Claude Monet en 1872. Il représente une vue du port du Havre, mais le sujet est moins important ici que l'atmosphère de cet instant, telle qu'elle est perçue et retranscrite par le peintre. Monet se vit comme un peintre de la lumière, comme un peintre de l'atmosphère, peu importe ce qu'il peint, car le motif est toujours transfiguré par ce qui l'entoure, par l'impalpable. Et lorsque l'œuvre est admiré par les critiques, eh bien tout de suite ils perçoivent le côté transversif de cette œuvre et comme une attaque, comme un mot péjoratif, ils disent « Tiens, il y a de l'impression là-dedans, il y a de l'inachevé, il y a de l'imprécision. » De Monet, on appréciera aussi les majestueux nymphéas, l'œuvre foisonnante de la fin de la vie de l'artiste.
Certains de ses tableaux ont trouvé refuge sous le pavillon, dans une salle conçue expressément pour les accueillir, car les étages étaient trop exigus pour honorer leur venue. Pour comprendre le dernier Monet, il faut venir au musée Marmottan. Lorsque Monet décide de se consacrer à son jardin d'eau de Giverny, le bassin aux nymphéas, il a 75 ans. Il est riche, il n'a plus rien à prouver et il décide de se consacrer exclusivement à la peinture. Il abandonne les vues panoramiques pour ne peindre que le détail d'une fleur sur une toile monumentale. C'est un renversement total. Eh bien, ce renversement est tel que l'artiste décidera de garder dans le secret de son atelier cette œuvre nouvelle, cette œuvre ultime. Présentée au public en 1970, les nymphéas du musée Marmottan côtoient aujourd'hui les œuvres d'Édouard Manet, d'Auguste Renoir et celles de Berthe Morisot, la première femme impressionniste. Et les histoires de famille s'entremêlent. Édouard Manet réalise par exemple ce portrait de Berthe Morisot qui deviendra sa belle-sœur. Et le tableau fera plus tard le bonheur de Julie, la fille de la peintre. C'est le tableau de Berthe Morisot, c'est le tableau de maman, de la maman de Julie. Et donc elle gardera cette œuvre toute sa vie. Et sa dimension, sa petite dimension, en fera un atout. Il deviendra son Manet de poche. Elle fera fabriquer une petite valise et pourra la porter partout avec elle, au gré de ses déplacements. Et plus loin, c'est cette fois la peintre qui représente son mari et sa fille, Eugène et Julie Manet, en train de jouer au parc, une œuvre définitivement moderne. Moderne par sa facture, par sa liberté, mais aussi par son sujet. Car on voit, pour une des premières fois, un père s'occuper de son enfant, non pas en train de lui enseigner quelque chose, mais de l'éveiller à travers le jeu. Et on voit ici que la touche se donne visible et qu'un tableau fini n'est pas un tableau bien fait. Et l'œuvre des impressionnistes, tellement décriée et incomprise à son époque, a aujourd'hui trouvé son sanctuaire dans l'intimiste musée Marmottan. Fresque monumentale ou papier peint, haute définition, le style de la fresquiste Solène Éloi s'exprime sur tous les supports. C'est notre invité du jour. J'aime beaucoup toute l'érosion des murs, l'érosion dans la nature, les pierres, les minéraux, les arbres, toutes ces textures-là qui ont des couleurs très belles et des textures très intéressantes. Entre jeu de texture et de lumière, Solène Éloi laisse sur les murs une empreinte précieuse et délicate. Dans ses mains, l'art ancestral de la fresque se réinvente, un art technique rencontré dans sa jeunesse en Italie et qu'elle s'est approprié au fil de ses autres voyages. Dans mon travail, il y a à la fois des inspirations marocaines, des inspirations mexicaines, des inspirations italiennes. On peut graver, faire des empreintes, mettre de la feuille d'or sur de la fresque, par exemple. Comme sur cette création réalisée pour un hôtel que Solène a travaillé en superposant différentes couches d'enduit. On met d'abord cet enduit qui est assez grossier, après on met un autre enduit qui est fin, qui a de la poudre de marbre à l'intérieur et qui est teinté donc dans une couleur légèrement différente. Et on incruste les feuilles d'or ou les feuilles de cuivre. Et après, on piquette, on gratte pour donner la composition qu'on veut. Ça fait penser à Venise, aux murs qui sont très abîmés comme ça et qui sont absolument magnifiques. Hommage aux murs anciens vénitiens, Solène sculpte la matière et joue avec les reflets des feuilles métalliques, notamment la feuille d'or, signature de ses compositions, comme sur ce superbe plafond commandé par l'architecte Géraldine Bonnefou pour le restaurant L'Esplanade. Ah bah c'est superbe, ça y est, enfin, tout est bien installé. Ouais, la moquette a été livré. Ouais. Le miroir ouais, très aussi, bien. La dernière touche. Avec ton travail. Lorsque le Café de l'Esplanade m'a demandé de redécorer le petit salon, j'ai tout de suite pensé à elle parce que je voulais apporter de la profondeur au plafond. Je voulais vraiment le travailler comme une œuvre d'art à part entière. Que ce ne soit pas juste un salon peint. Je voulais comme une espèce de tableau, mais qui n'étouffe pas. Et je trouve que la délicatesse de son geste, le côté végétal, voilà, répond exactement à ce que j'avais en tête et que j'avais peut-être du mal à exprimer, mais elle a tout à fait capté ce que je voulais. Je suis très contente du résultat.
Décor végétal, astral ou minéral, les compositions de Solène se déclinent également en papier peint avec sa collection de paysages singuliers. Donc ces papiers peints sont imprimés d'après un travail que j'ai réalisé sur un très grand format. C'est un travail qui est assez liquide, que je réalise à l'horizontale, qui est très souvent inspiré de la nature. Et c'est un travail que je ne pourrais pas faire sur les murs à la verticale. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire des papiers peints imprimés. Là, je fais un dégradé à la fois du doré jusqu'au blanc nacré, puis un dégradé de patine plus foncée, et après, dessus, il y aura un dégradé de feuilles de cuivre. Appliqué par petites touches d'éponge, un ciel évanescent d'or et de cuivre prend forme et relief, et dont les moindres aspérités seront retranscrites à l'impression. Alors, il est beau, hein? Ouais, c'est bien. C'est bien réussi. Regarde, on voit toutes les petites bulles, comme si c'était fait à la main. Ouais. À chaque fois qu'on reçoit une commande de l'imprimeur et qu'on la découvre, on est toujours très très contente parce que c'est vraiment, on a trouvé un imprimeur qui fait un travail de très bonne qualité où on a l'impression que c'est réalisé à la main. On voit les petites bulles dans la peinture, on voit tous les détails, les traits de pinceau, donc c'est assez impressionnant. L'art de Solène Éloi habille les murs sur différents supports, mais s'exprime également dans des créations uniques en verre et glomisé. C'est la curatrice Nadia Canté qui se charge de les présenter aux collectionneurs dans le cadre de l'exposition Private Choice, rendez-vous réputé de la scène artistique contemporaine. Finalement, les collectionneurs, qu'ont-ils choisi? Oui, alors, ils ont choisi les trois premières. Oui, oui, oui. Néanmoins, la 13e, ils adoraient la 13e. Ah oui, d'accord. Ouais. Celle qui se ferme, ouais, qui se ferme entièrement. Vraiment. D'accord. Oui. Ouais. La façon dont je travaille sur ces mires, c'est que d'abord, on casse le bord comme ça à la pince pour qu'il soit assez brut. Et puis après, je grave à la main le verre pour faire comme s'il était usé. C'est toujours mon histoire d'usure, de petits cailloux, de flaques, de nature un peu érodée. Et il est églomisé à la feuille d'or 21 carats. Églomisé, ça veut dire mettre de la feuille d'or sous le verre. Ce travail, qui est un travail très personnel, est différent de mon travail de peintre en décor. Et faire partie d'une galerie comme celle-là me permet de ne pas avoir de cahier des charges, mais vraiment de m'exprimer simplement comme je le souhaite. Des fresques murales aux paysages peints, en passant par des objets de collection, Solène Éloi est libre de ses créations, et ça, ça vaut de l'or. Bonjour Solène. Bonjour Katerina. Solène, si vous avez toujours voulu être peintre en décor, c'est à Rome, lors de vos 18 ans, que ça s'est réellement déclenché en voyant des fresques. Vous vous souvenez de cette émotion ? Oui, je m'en souviens particulièrement. J'avais l'envie de toutes les façons de faire des études artistiques, mais j'ai découvert les fresques italiennes et la mosaïque, et cet aspect minéral, intemporel aussi, le fait que ça reste des siècles sur les murs et que ce soit toujours aussi vivant et même aussi vif dans les couleurs, ça m'a passionnée. Comme une fresque est immobile et se transporte pas, vous avez mis au point un procédé pour justement pouvoir l'emporter partout. Pas mal de clients avaient envie d'avoir une fresque chez eux, mais se disaient qu'ils allaient peut-être déménager, donc me demandaient comment faire pour avoir une fresque transportable. Donc j'ai mis au point un ensemble support et encadrement qui fait qu'on peut réaliser une fresque sur un panneau. Les dimensions ne seront pas gigantesques, mais c'est une technique qui est quand même possible à faire sur un panneau. Alors, votre inspiration, bien sûr, c'est la nature, j'imagine, mais aussi l'ikebana, l'art floral japonais. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance d'exposer au Japon deux fois et ça a beaucoup influencé la suite de mon travail. Et l'ikebana, en fait, permet de composer les choses. On compose les fleurs, les branches, on les sculpte presque. Moi, par exemple, pour composer mes maquettes, j'utilise beaucoup cette façon de faire des silhouettes. En 2010, vous avez créé l'Atelier du Mur, un vaste champ d'exploration. Alors l'Atelier du Mur, en fait, regroupe tout ce que j'aime, c'est-à-dire beaucoup de techniques, puisque j'aime apprendre encore et toujours et j'aime diversifier les supports, les techniques et la façon dont je travaille. Maintenant, je m'entoure d'une équipe qui m'aide à réaliser les chantiers
Et puis, je travaille beaucoup pour les architectes d'intérieur parce que c'est une façon aussi d'aller toujours plus loin dans son travail avec leurs exigences. Dans vos différentes techniques, Solène, il y a aussi le verre églomisé. Qu'est-ce que c'est exactement le verre églomisé ? Le verre églomisé, c'est peindre sous le verre et mettre de la feuille d'or sous le verre. Donc le travail habituel se fait à l'envers. Voilà, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on doit réfléchir à l'envers, le cerveau doit faire les choses à l'envers. Ce qu'on pose d'abord sur le verre, la première couche de peinture ou d'or, c'est ce qui se verra en premier. Vous utilisez beaucoup les feuilles de métal, cuivre, or, argent, ce qui donne un côté très précieux à toutes vos créations, que ce soit dans la fresque ou dans le verre églomisé. C'est quelque chose qui est caractéristique pour votre style aussi. Oui, en fait, moi j'ai adoré en Italie, dans tous les palais, dans toutes les églises, il y a souvent ce mélange de fresques et d'or. Et je trouve que l'or met très très bien en valeur les autres matières, non seulement parce que ça s'accroche au support d'une façon particulière, donc soit c'est très lisse, soit c'est un petit peu granuleux ou ça suit les empreintes. Et en plus, ça met en valeur les couleurs. Comment vous savez quand une création est finie ? Comment on sait quand c'est juste ? Pour moi, c'est un sentiment très profond. Je le sens, je le sais. Je n'ai plus besoin de revenir dessus. Alors, il faut souvent une nuit, deux nuits pour en être certaine. Mais il y a vraiment un moment où je ne peux plus revenir dessus. Vous vous considérez plutôt artiste ou artisane ? Vraiment les deux. Artisane, parce que je connais plein de techniques et que j'adore ça. J'adore avoir les mains dans la technique et dans les matières. Et artiste, parce que j'ai besoin quand même de mon espace de liberté de création. Oui. Et vous avez le temps de créer ? Et en ce moment, je n'ai pas le temps de créer. Je rêverais pouvoir partir en résidence pendant quelques mois pour ne faire que créer. Mais ça viendra. Merci beaucoup, Solène. Merci, Katharina. La maison Prada nous fait les yeux doux avec des lignes fluides et audacieuses qui déconstruisent les codes du féminin. C'est en mode. Quand on pense robe de soirée ou corset, on pense séduction, romantisme et sensualité. Des termes longtemps synonymes de corps dénudés, de vêtements contraignants et d'objectification. Mais jamais chez Miuccia Prada, qui depuis les années 80 n'a cessé de remettre en question les codes de la féminité avec des collections qui réfléchissent à la transparence, à la notion de désir et au rôle de la mode face aux politiques autoritaristes. Aujourd'hui en duo avec le créateur belge Raph Simons, il présente pour le printemps-été 2022 une collection qui déconstruit le langage de la séduction pour mieux comprendre ses enjeux et pour les adapter à notre époque. Tout comme Miuccia Prada, Raph Simons a toujours rejeté le concept galvaudé de tendance au profit d'un vestiaire fonctionnel et subversif qui puise ses inspirations dans l'art et fait appel aux émotions. Ensemble, ils repensent des pièces et des matières historiquement associées à la sensualité. Les attributs du corset, qui serrent la taille et remontent la poitrine, sont travaillés pour donner de l'aisance. Sur des vestes ou sur des t-shirts, les lacets sont ouverts, comme détachés, pour permettre de mieux respirer. Une puissante allégorie d'un corps libéré, comme sur ces pulls confortables qui soulignent subtilement les seins sans modifier leur forme. Des robes froncées, généreuses en matière, marquent la taille mais ne l'emprisonnent pas. Elles sont travaillées dans un satin qui évoque l'érotisme mais dans une veine pragmatique, avec des dos ouverts et des escarpins sans talons. Raph Simons et Miuccia Prada dépouillent ainsi les habits du soir traditionnels. Ils leur ôtent les détails décoratifs, leur volume dramatique et leurs éléments superflus. Plutôt que de la nudité, c'est ainsi de l'aisance que naît la sensualité. C'est une des marottes de la marque, toujours questionner les codes vestimentaires délicats que l'on a attribués aux femmes pour leur donner de l'aplomb, du caractère et de la fonctionnalité. Des mini-jupes asymétriques imitent la traîne dans une version plus praticable.
des cyclistes apportent du confort et de la praticité, et des vestes de motard, une allure puissante et protectrice. De cette séduction tout en diminution, naît un vestiaire au service de l'anatomie. Le romantisme contemporain selon Prada, où le pouvoir suggestif du vêtement et les émotions qu'il convoque répondent aux besoins quotidiens des femmes. Une idée du désir résolument moderne. Plus uniquement réservé aux enseignes des magasins, le néon s'exprime désormais aussi en version ultra-moderne dans les mains d'Alexis. Suite à un voyage où j'étais au Canada, j'ai vu des néons sur l'architecture d'un glacier et donc il y avait des lumières comme ça qui prolongeaient l'architecture, du moins qui longeaient l'architecture, donc ça faisait des courbes. Et je trouvais ça assez beau parce que c'était une lumière qui vraiment imprégnait le lieu. Plongé dans cette ambiance lumineuse des néons, Alexis Dandréis se découvre un attrait pour ces tubes fluorescents. Et c'est à Paris qu'il se forme dans le dernier CAP de France à proposer la mention souffleur de verre, option enseigne lumineuse. Faire du néon aujourd'hui, c'est travailler dans une niche où on peut dire que je suis un des jeunes néonistes et un peu un des néonistes récents, puisque c'est vrai que c'est un secteur plutôt vieillissant. La différence, c'est que c'est plus trop dans le champ de l'enseigne. Ça l'est toujours. Il y aura toujours des bars, des restos, des opticiens, des qui ont besoin de néon, tu vois. Mais il y a aussi beaucoup d'artistes, de plasticiens, des décors, beaucoup. Par contre, des petites pièces plus chiadées, qui demandent un travail peut-être plus minutieux, etc. Aujourd'hui, c'est quand même très décoratif. Et Alexis se sert de ses études aux arts décoratifs pour pousser son imagination. Volume, nombreuses courbes, supports peints, ces créations n'ont pas de limite. Donc là, je viens de dessiner le néon que je vais faire. Donc pour ça, la tablette, c'est pas mal parce que ça me permet de le dessiner à la main. Et comme ça, je check directement toutes les proportions du tube. Et la tablette laisse place au dessin en taille réelle. À partir de là, Alexis va suivre exactement le tracé du futur néon. Je vais quantifier le verre pour déterminer le nombre d'éléments et comment se compose mon néon. Parce que ça a une répercussion électrique. Donc j'essaie d'équilibrer en termes de longueur mes éléments. Et aussi après, en termes d'esthétique, je ne vais pas couper en plein milieu la canne pour repartir. Une fois toutes les mesures prises, c'est le moment de faire chauffer la canne de verre. Un habile jeu d'aller-retour entre le chalumeau et le dessin s'installe alors. C'est un savoir-faire qui te demande de beaucoup de concentrer. Ça demande de la dextérité, ça demande de l'analyse. C'est un médium qui est vraiment difficile. Il y a du feu, donc chaleur. Tu peux te brûler, tu peux te couper. Et après, il y a un tempo, tu vois. Donc, il faut souffler au bon moment, il faut tout ça. C'est vrai que c'est un peu technique. Mais une fois que tu as un peu évacué toutes ces questions-là, tu vois que tu commences à maîtriser, j'avoue que c'est très plaisant à travailler. Si concentration et habileté sont les maîtres mots pour le néoniste, il est aussi essentiel de bien s'équiper de divers outils. Quand je bosse, en fait, il y a plusieurs choses. La matière première, c'est le verre, c'est les cannes, il y a différents diamètres. Et évidemment, ça a un impact dans ma façon de travailler parce que je vais souffler différemment. Après, pour travailler, forcément, j'ai mes lunettes qui me permettent vraiment de voir à travers la flamme. Toujours un briquet, toujours un crayon. J'ai des cales comme ça un peu lourdes pour bloquer mon verre. Mon tuyau pour souffler, donc d'un côté, tu vois, je vais mettre ça d'un côté de la canne et ça directement là, un bec pour souffler. Donc ça va de pair avec plein de bouchons qui ont plein de diamètres différents selon la canne. Loin des techniques traditionnelles de souffleur de verre, Alexis, lui, crée des ouvertures. Ces petites bulles de verre très fines lui permettent de souder les éléments entre eux. Une fois assemblés, il ne reste plus qu'à injecter du gaz dans le tube. On mettra soit du néon, soit de l'argon. Et ça va déterminer aussi la couleur pour avoir les teintes. Alors, soit tu mets du néon et c'est rouge, et c'est ce que tu vois, c'est le faisceau lumineux, soit tu crées des ultraviolets avec le gaz argon dans une canne qui est poudrée à l'intérieur. Au moment où tu vas faire passer l'électricité avec le gaz à l'intérieur, ça va créer des UV et ça va révéler le pigment phosphorescent. Donc, ta canne, elle devient bleue, par exemple. Et c'est allumé que la magie de la couleur opère. Là, petit à petit, va prendre sa teinte. Final. Ce que j'aime vraiment, c'est que ça fait appel à plein de choses. C'est à la fois du dessin, à la fois de la lumière, c'est à la fois un objet. C'est un médium qui est quand même
compliqué à utiliser et qui a quand même pas mal de limites. Donc, ça veut dire que pour produire quelque chose d'un peu nouveau, ou pour, ben ouais, ça te demande de la recherche quand même. Si depuis 3 ans, Alexis maîtrise les moindres gestes pour parfaire le verre, il est toujours en quête d'idées lumineuses pour ses futurs néons. La version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!